Je suis inscrite sur un site qui permet de mettre en relation des jeunes étudiantes comme moi en contact avec des hommes assez aisés. Et en échange de compagnie, ils nous offrent des cadeaux. Précédemment, dans Paris va bien. Tu nous balances des bons tuyaux sur ton oncle et nous, on oublie ton histoire de chichou. Maître Berthier, avocate de Monsieur Dumont. On abandonne les charges pour le moment. Ils veulent t'utiliser contre moi et toi tu leur en donnes l'occasion. Trouve-toi un job et occupe-toi de ta fiancée. On a fini. Fais-toi discret. Ce serait vraiment dommage qu'il arrive un accident à ta petite amie. Je me suis pris la tête avec mon mec hier soir et il ne répond plus. C'est gentil de me raccompagner, mais j'aurais pu prendre les premiers métros. Non, t'inquiète pas. C'est sur mon chemin. Je vais juste faire un petit détour. Putain, mais réponds. Ouais, frérot, putain, ça fait une plombe chez les tavoirs. Qu'est-ce que... Merci. Déjà ? Toutes les bonnes choses ont une fin. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici ? Tu sais, Sarah, avant c'était un terrain vague, que des cailloux et de la mauvaise herbe. On a tout rasé et construit cet immeuble à la place. Je comprends pas. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le-moi directement. Je veux parler de Kevin. Il est comme cette terre, encore aride et sans espoir. Il lui manque juste une personne pour le reconstruire. Laissez-moi deviner, c'est quelqu'un, c'est vous ? Non, c'est toi, Sarah. Tiens. Tu l'as bien hérité. Je sais que t'as un loyer à payer. Merci. Il y en aura un peu plus, si on pouvait se revoir. On verra. T'es où ? J'essaie toujours toute la journée. Mais j'avais plus de batterie. Est-ce qu'on t'a suivi aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des mecs chelous qui t'ont accosté ? Mais non, personne. Pourquoi ? T'es sûr de toi ? Mais oui, qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien.
T'étais où hier soir? J'ai pas arrêté de t'appeler. J'ai passé la soirée avec Wes. On avait des trucs à régler, ça a pris un peu de temps. Et donc tu penses pas me prévenir? Je suis désolé. Écoute les conneries, c'est bon, c'est fini.